j'ai changé ma caméra de place pour le soleil. Et qu'il fait beau à la boule. Jackie Boy me dit, que penses-tu de la situation catastrophique de Sochaux, un désastre pour une région, tout ça à cause d'un investisseur incompétent? Alors c'est évidemment... Alors je suis très étonné parce que quand j'ai posté la photo du club de Sochaux avec un cadre noir, il y a plein de personnes qui sont venues quasiment pour m'engueuler, j'en ai jamais parlé avant. Ni surtout que j'en ai jamais parlé dans Face à Pyro, soit à quoi j'ai dit, mais pour répondre à une question, il faudrait qu'on m'en pose une. Et finalement, là, j'en ai eu assez peu des questions sur Sochaux, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle de Jackie. Le premier responsable de la situation de Sochaux, c'est les nouveaux dirigeants de Peugeot, qui ont, et ça je le sais de source sûre, décidé de se séparer de tous les pôles qui ne concernaient pas directement l'automobile. Ça a été l'informatique, les investissements et le foot. Voilà. Rien à cirer du FC Sochaux, tout en mésestimant l'importance colossale du club dans la vie et la réputation de la région. Derrière, plein de repreneurs bidons sont venus essayer de faire quelque chose, alors, pas forcément avec de la mauvaise volonté, mais surtout avec la volonté finalement d'y mettre assez peu de moyens. Et on en arrive avec les Chinois là qui ont tué le club, avec la savoureuse participation du dénommé Samuel Roland. Donc, j'ai lu des articles sur le pédigré de ce garçon, c'est assez incroyable qu'il soit aussi... voilà, le mec prenait 500 000 euros par an, il a donné des salaires colossaux, et puis, enfin voilà quoi. Il n'y a pas besoin de beaucoup de monde pour couler un club, hein. Il suffit d'un mec qui dépense l'argent n'importe comment et le trou, parce que le trou, entre guillemets, il est que de 8 millions, c'est pas non plus une somme, dans le foot d'aujourd'hui, c'est pas non plus une somme vertigineuse, mais voilà, quoi, c'est le problème. Alors là, selon les dernières nouvelles, il y a quand même quelques tentatives, peut-être, pour sauver le club, qui puisse au moins repartir en national, ce qui serait un moindre mal. Mais c'est vrai que c'est très triste, surtout que moi j'ai des souvenirs formidables à Sochaux. J'étais parti en stage avec la fabuleuse équipe de Ligue 2 avec Sosé, Paille, Di Beghi, Tchubazarevic et compagnie. J'étais parti en stage à Saint-Jean-de-Mont avec eux en janvier. J'avais rarement autant rigolé qu'avec cette équipe de fous furieux. Space Monaco, salut mon Pierrot, salut Nico. Après une fin de saison catastrophique de l'AS Monaco, le début du mercato s'est fait attendre mais vient de débuter par le recrutement d'un gardien. Quels sont pour toi les autres postes à renforcer obligatoirement pour permettre à l'ASM de retrouver l'Europe? Ils ont pris un entraîneur que je ne connais pas, où la plupart des articles que j'ai pu lire sur lui, c'était... savoir pourquoi il s'appelait Adolphe, donc quand même on se cogne complètement. J'ai jamais eu le sentiment que le problème de Monaco l'année dernière c'était un problème d'effectif, j'ai surtout trouvé que c'était un problème de volonté et d'implication du groupe qui semblait être totalement en scission avec Philippe Clément. Maintenant voilà. Je pense qu'ils attendent aussi peut-être de vendre Disasi et Fofana pour avoir un peu de liquidité. Après, il y a évidemment le problème de Ben Yedder qui est victime de graves accusations et dont on ne sait pas trop comment la suite de sa carrière va s'articuler. Je pense qu'ils ont besoin de... Je pense que ce pari tout pour la jeunesse, c'est pas bon non plus. Je pense qu'ils ont besoin peut-être
de recruter 2-3 joueurs un peu plus chevronnés pour faire une équipe un petit peu plus équilibrée. Question d'Elsimat. Penses-tu vraiment, comme certains journalistes, que Henrique puisse laisser Kylian sur le banc s'il n'y a pas de grosse offre pour la prochaine saison? Non. Me paraît complètement con de payer un joueur une fortune pour pas s'en servir. D'autant plus que, quels que soient les états d'âme d'Mbappé, tu sais que sur le terrain, il sera à 100% et concentré sur le fait de marquer des buts et de gagner le plus de matchs possible. Donc s'en priver serait une folie. Mais on est dans une situation de respect d'un contrat. Encore une fois, je vois pas où il est écrit qu'un joueur, surtout au bout de 6 ans, 7 s'il fait la saison prochaine, un joueur doit nécessairement partir avant la fin de son contrat pour que son ancien club puisse toucher une indemnité. Un contrat, c'est fait pour être respecté par le club et c'est fait pour être respecté par le joueur. Et quand un joueur va au bout de son contrat, ça veut dire que les deux parties ont honoré le contrat qu'ils avaient signé l'un avec l'autre. Donc, reprocher à Mbappé de partir libre, pour moi, c'est un faux débat. Il fait bien ce qu'il veut. Rien ne dit qu'il le fera. C'est pas parce qu'il va pas prolonger là qu'il prolongera pas avec un accord de sortie avec le club dans 3 mois. Voilà, il est grand temps qu'Mbappé rejoue au football, qu'il arrête les communiqués et les voyages plus ou moins initiatique et qui retrouve sa place sur le terrain. Et enfin, last but not least, la dernière question de cette semaine de Manu B. On ne voit jamais dans les compos possibles du PSG ou Erzin et Remri en titulaire. Bichabou va être vendu. Simons va être de nouveau prêté. Y a-t-il un problème avec le PSG et les jeunes? C'est une bonne question. Le problème, c'est qu'on, à Paris, on surestime le niveau des jeunes. J'en veux pour preuve. Regardez, Soler, c'était un bon joueur dans la Liga. Ruiz, c'était un bon joueur à Naples. Ils arrivent à Paris et ce sont des fantômes. La marche, elle est gigantesque. Entre être un bon jeune et devenir titulaire au PSG, il y a un gap monstrueux. Erzin Emery, visiblement, lui, il est d'une autre trempe et il a une faculté d'adaptation et surtout une densité physique qui lui permet déjà d'être à ce niveau. Ceux qui pensent que Ousni ou Garbi peuvent un jour être titulaires au PSG rêvent. Bichabou, même s'il a évidemment une énorme marge de progression, j'espère pour lui, ce qu'il a montré, parce que lui, il a quand même eu un peu de temps de jeu au PSG, ce qu'il a montré, c'est un club qui propose 15 millions pour l'accompagner avec un euro autour du cou à l'aéroport. C'est pas très juste de prendre les exemples Nkunku ou Diaby. Bon, Diaby, au PSG, tu voyais de temps en temps qu'il pouvait vraiment apporter quelque chose. Je suis désolé, Nkunku, quand il était au PSG, il apportait rien, à part rater le pénalty décisif en finale contre Rennes. L'explosion de Nkunku à Leipzig, il n'y a pas grand monde qui pouvait la prévoir. Donc, bombarder Xavi Simons après une bonne saison, une très bonne saison à Eindhoven, ok, mais il était déjà bombardé quasiment titulaire à l'époque de Pochettino, alors que le peu qu'il a pu montrer en Ligue 1 était totalement sans intérêt. Donc, attention au jeunisme. C'est aussi néfaste que de vouloir des stars à tous les postes.
Voilà, des jeunes. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'on voit les mecs qui disent, ah bah, vous avez vu, Enrique, il s'occupe des jeunes à l'entraînement. Bah, s'il s'occupe des anciens, des internationaux, jusqu'à aujourd'hui, bah, il n'y avait personne. Donc, c'est pas compliqué de s'occuper des jeunes quand il n'y a que sur le terrain. Donc voilà, attention au jeunisme. Tu joues si tu mérites de jouer, que tu sois un grand joueur avec un grand salaire ou un jeune du centre. Il n'y a pas de négociation à ce niveau-là. Voilà, c'était encore un long face à Pierrot. Donc on met un petit pouce, on s'abonne et puis la semaine prochaine, je vous parlerai de mes projets pour la saison prochaine, parce que bon, voilà, on va essayer de faire grandir un petit peu cette chaîne. On y pense, on y travaille. Bye bye.